Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue pour la suite de Curious Expedition, épisode 4, la suite des aventures immémorielles de Xupi. Il est là, il est beau. Alors c'est pas vraiment la suite, puisque Xupi a remplacé ses trois neveux par trois Tintins mutants, je rappelle, hein, qui ont eu des crises de vie différentes et relativement instables. Il y avait une partie avec Lara Croft que je vous ai pas montré, mais c'était pour tester le jeu, c'était au tout début. Et en tout cas, nous sommes en français, parce qu'apparemment on peut jouer avec les modes en français, ça passe. Et d'ailleurs, en parlant de modes, toujours la collection des personnages plus éponymes et incroyables que les autres. Marcus Garvey, Frédéric Courtenay-Sellous, bien sûr, avec son immense fusil. Isabella Bird, aventurière légendaire, première femme à devenir un membre de Société Géographique Royale d'Angleterre. Avec le papou! Le papou avec les tuipéniens du plaisir, dans tous les cas il est là, il est disponible. Il y a Huang Feiyong, héros du folklore chinois, guérisseur et maître de l'art martial Hunga, d'accord. Bon, on va pas le prendre parce que ça sent... Je vais faire des blagues racistes sinon. Hein. Vous voyez que le portrait en or signifie qu'on a fini le jeu avec ce personnage, hein. C'est un roguelike. Du coup, regardons les modes et oh, regardez ce qui s'est ajouté. Toujours Indiana Jones, Rambo et Rincevent avec Sherlock Holmes et Xupi, bien sûr. Mais maintenant, nous avons... Joseph Joestar avec avec l'officier à la main, oui. Une petite référence à Jojo, il a même du Coca-Cola et la pierre d'Aja, si tu veux, c'est sympathique. Nous avons Astérix avec le gros Bélix, l'idée fixe et le panoramite. Il est là, il est beau. Oui, je mets des noms à la con, hein, c'est pour ça. Réduit le coup de base en santé mentale pour les déplacements. C'est pas mal ça, Astérix. Et il a la potion magique, c'est stylé. Et enfin, quelqu'un qui a fait ce mode juste pour moi, ça fait très plaisir. Merci mille fois, t'étais fantastique. Voilà. Bob Lennon, attends, et même on va regarder, attends. On va regarder une seconde. Pour la communauté. Pour la communauté. Pour la communauté. Merde. Attends. Capture la Workshop. Workshop. Ça marche. Voilà, regarde. Voilà, incroyable, il est là, vous le voyez à l'écran, normalement oui, ça devrait l'enregistrer à l'écran, créé par Oki Blue Air en ligne, merci mille fois, toi et ta photo de profil absolument délicieuse, dans tous les cas, merci Oki Blue Air d'avoir fait ce mode exceptionnel, un pyro-barbare qui a décidé de prendre des vacances pour piller des temples et des villages, cacher l'argent! Charismatique peut recruter jusqu'à 2 membres par expédition. Pyro-barbare, grâce à son âme plus pure que le métal, le pyro-barbare peut faire un lancer de plus au dé sans aucune autre forme de pitié. Donc il y a de l'argent, l'argent des abonnés. Même dans les villages les plus paumés des contrées les plus reculées, les abonnés veulent mettre la main sur la YouTube money, de la bouffe, des machettes et surtout une hache. Une superbe hache forgée dans le plus pur du heavy metal qui s'enflamme pour apprendre le respect aux dissidents. La magie de cette arme enchante son porteur et lui fait hurler gutturalement des milliers en plein combat. Avec un Feiltasio. Ce Feiltasio absolument sublime, qui est absolument délicieux, qui est fantastique. Et ben écoute, du coup, on peut... Alors, il change d'apparence. Ah, il en a deux. LOL. Ah, il a toutes les apparences du monde, c'est stylé. Oh, c'est stylé. Écoute, on va prendre, en l'honneur, voilà, du Fanfan, on va prendre la version Minecraft pour l'amour. Il vit heureux sur ses îles, rassurez-vous, il est très très heureux avec sa famille, il construit des églises. À chacun son occupation, brave gens. Dans tous les cas, bienvenue au club des explorateurs. Alors comme ça, vous pensez être un vrai barbare? Vous pensez avoir une grosse bite? J'ai vu des papous avec des étuis péniens de plus de 1 mètre de long. Il va falloir 6 mètres, Billy, parce que tu te bats contre une gonzesse et... un gentilhomme. Qu'est-ce que vous attendiez que j'allais dire? Ah merde, j'ai pas vu, il y a Frédéric Sicilius aussi. Oui, il y a un connard avec ses moustaches à italienne. Du coup, on va y aller en mode expédition. Mode de difficulté de base, hein. Pas mort certaine parce que je suis pas encore prêt, hein, mais mode de difficulté normal. On y croit, si on meurt, on meurt. Si on survit, on survit. En essayant de faire survivre le Fanfan, mais peut-être que le Fanfan mourra dans d'atroces souffrances. Ou moi aussi, hein. C'est pas grave. Dans tous les cas, on va commencer par les Caraïbes, mon frère. Directement. L'insolite terre aride ou la monstrueuse jungle. Je me dis que commencer par la monstrueuse jungle, ce serait pas débile parce que j'ai plein de machettes. Et ça me permettrait de passer à travers les forêts. Mais là, la terre aride, c'est juste une question d'avoir un peu de flotte sur soi. Donc c'est pas plus mal non plus. En plus, il y a quoi? Il y a 2 temples, un village. Et là, 2 temples et un village. Bon, on va prendre les temples, allons-y. Allez, on s'y lance. Plein d'enthousiasme, je me suis dirigé vers les quais. Il restait encore quelques dispositions à prendre. Aussi, essayais-je de voir si je pouvais aider à faire quelque chose. Le frère Jacob s'est approché de moi ce matin. Il avait envie de rejoindre un pays étranger et nous a demandé de l'escorter jusqu'au premier village indigène que nous rencontrerions dès notre arrivée à destination afin d'y répandre la très sainte et unique parole de Dieu. J'accepte, bien sûr.
pour faire plaisir aux fanfans. Escorter le bling missionnaire direct. J'ai accepté. Très bien, j'ai pas le droit de me préparer. Bah oui, j'ai pas le droit de me préparer, c'est la première expédition, c'est à la pisse. C'est à la bite, si tu veux. Oui. Non mais je fais le tour, j'aime bien. Ok, on y est. Enfin. Oh. Il était encore tôt le matin quand nous avons atteint la terre de notre imminente aventure. Nous avions atteint notre destination et il était temps de commencer l'expédition. En venant ici, j'étais prêt à prendre tous les risques. Eh ben... Ah, il a un dé noir, c'est stylé. Ça veut dire quoi un dé noir? C'est un dé... Il a un taunt, il a un regard et il a du cerveau. Ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. Hein. Il a un dé à vide aussi, c'est pas mal aussi. Sa viande cuisinée accorde de la santé mentale. Il peut cook, il est pété le fanfan, ça fait plaisir. Et lui, force de volonté, solidarité spirituelle, c'est un prêtre, c'est ça qui est bon. La YouTube monnaie qui est là, qui ne prend pas... Ah, ça prend de l'espace quand même. Hein. Ça prend de l'espace, la YouTube monnaie, hein, c'est pour ça. On va se ravitailler en eau. On va se ravitailler en eau à l'infini. On va accéder à la soute du navire parce que je pense vraiment pas avoir besoin d'autant de torches. Quoique, on peut les garder. Et cette hache, voilà, me donne un dé rouge. Pas mal, effectivement. La hache me donne un dé rouge. C'est pas mal. En tout cas, j'ignore ce que mon personnage a comme dé, mais on va débuter l'expédition et voir. Frère Jacob a noté l'emplacement du village, qui est juste à côté. Et je suis à poil, parce que... Parce que, clairement, j'avais pas besoin de prendre mes vêtements. J'ai deux dés rouges quand même, hein, c'est bourrin. Donc je suis ni intelligent ni agile. Très bien, on est là. Hein. Et par contre, la charge est complètement fumée, mais j'imagine que c'est la charge de base. J'escorte les missionnaires, pyro barbare, c'est sympa. En tout cas, les mecs se sont... Enfin, ils s'est vraiment fait chier. Ça fait vraiment plaisir. Alors, du coup, là, ici, nous avons un temple. Ou plutôt, ça a l'air d'être une caverne, hein, j'ai envie de dire. On pourrait explorer ici. Ça coûterait 39, mais on serait juste à côté de la caverne et on y verrait plus clair. Faisons cela. Pat 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 pat. Oh! Excellent, on y voit clair, il n'y a pas grand chose et la bite nous indique que ça se distingue. Ah mais non! Attends, il y a une... On se fait affecter par ça ou pas? Ouais, j'ai l'impression qu'on se fait affecter par ça, hein, par cette montagne magnétique qui du coup nique notre boussole et ne nous dit pas où trouver la fameuse pyramide. Explorons la grotte. On va allumer la torche et explorer. Nous avons allumé une torche et nous avons pénétré à l'intérieur de cette caverne sombre et arrogante. Nous avons découvert un petit passage dans une des parois qui semblait mener vers une autre partie de la grotte. Mais une seule personne à la fois pourrait passer dans cet espace réduit. Ouais, sauf qu'on n'a pas de dé de vision. Est-ce qu'on tente de sacrifier le fanta genre dès le début? Et si ça foire, on la refait en espérant avoir une veste rouge. Écoute, pourquoi pas? Après tout, on est au début de la vidéo. On aime prendre des risques. Et merde. J'ai désigné The Fantasio de cette carte d'aller explorer cette ouverture. Nous avons entendu pendant un bon moment, mais il n'est jamais revenu. C'était une grosse perte. Son nom restera jamais gravé dans nos mémoires. Adieu, Fanta, voilà. Fin du game. Super, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu de regarder cet épisode de Curieux. Pouf, pouf, hein. C'est les beginnings de game, ça, mon gars. Que veux-tu? Eh ben du coup on se bat contre Joseph et Astérix et Indiana Jones et Sherlock Holmes. Les mecs déconnent zéro si tu veux. Les mecs déconnent zéro, c'est pas grave. Pouf pouf on recommence, on y croit hein. Alors la jungle et des terres arides. Eh ben ici on a la terre aride, on y retourne, on y croit. Ah j'ai ma veste, ah il lui a ses fringues, impeccable, là on est bien. Excité en repensant à l'aventure qui nous attendait, mais encore tremblotant du cauchemar horrible dans lequel j'avais envoyé un de mes meilleurs amis mourir au fond d'une caverne sombre, lugubre et humide, dans une terre inhospitalière, je me suis précipité vers le port. Le capitaine n'était pas encore arrivé. Aussi, me suis permis d'aller poser une immense pêche dans ses chiottes en attendant notre départ. Quelqu'un s'est approché de moi pour obtenir mon aide. Il voulait qu'un message soit livré au chef du village indigène situé dans la région où nous devions nous rendre. J'ai accepté. Excellent. Bon, mais du coup, dans le fail, on est bien. Hein. Dans le fail, on est bien. Une conséquence du nudisme. Il est probable qu'on perde le fanfan en route, cependant, hein, brave Jean. J'avais entendu tellement de chansons de marins que j'aurais pu composer ma propre comédie musicale, et je fus soulagé que nous avons atteint la terre de notre imminente aventure, une région inconnue qui ne demandait qu'à être explorée, telle la peau de satin se trouvant dans le soutien-gorge d'une femme sainte et une nonne de 49 ans. Excusez-moi, ça se fait pas, on touche pas aux nonnes. On touche pas aux nonnes. Allons-y.
Et du coup... Et il a indiqué le village sur la carte, ce qui est très fort aimable de sa part. 35, 35, 39... le voyage pourrait se faire par là, écoute, mais... Écoute, on va explorer dès le début. Quitte à se... Voilà. Ah, pas mal. Donc là, c'est un temple. Et ça, c'est une grotte et une caverne. Donc ça ne coûterait que 16 et 7 jours de voyage pour atteindre le village. On devrait même commencer par le village, hein, avant qu'ils s'excitent parce qu'on a pillé leur temple et qu'ils sont là. Oui, on respecte pas leur culture, on touche leurs femmes, enfin voilà quoi. Ce genre de détails que des indigènes non civilisés trouvent d'une importance avancée. Alors qu'ils n'ont pas compris que leur culture n'est là que pour être mappée par la nôtre. Alors, aujourd'hui nous sommes arrivés dans un village peuplé de sauvages. Les membres de cette tribu ressemblaient à des guerriers redoutables et bien armés. Je pouvais sentir de venir qu'ils venaient de préparer le repas. Les villageois nous ont fait signe d'approcher pour partager avec eux leur repas fraîchement cuisiné. Oh, fort aimable. Les villageois nous observaient avec curiosité. Ils furent amicaux et ils nous ont offert de nous aider dans la limite de leurs moyens. Mais voici une lettre. Ah, suggérant que vous savez lire. Nous avons donné la lettre au chef du village. Pour nous remercier, le doyen nous a parlé de toutes les merveilles que l'on pouvait voir dans la région, y compris un sanctuaire sacré qu'il a marqué sur notre carte. Ouh, nous sentions plus que bienvenus et les villageois étaient apparemment très contents de notre présence. Ils nous ont traités avec le plus grand des respects et nous ont proposé toute l'aide qu'ils pourraient nous offrir. Et bon, on va peut-être recruter un connard. Ce serait pas mal, ce serait pas mal. Donc, est-ce que l'un d'entre eux est prêt à se joindre à moi pour la gloire et la renommée? Allez, une dresseuse d'animaux, une guerrière, The Fant Animal 974. On peut en recruter d'autres. On peut... Je prends, j'achète. J'achète, madame. Je prends, j'ai pas réfléchi. En s'approchant de l'animal, vous l'entendez murmurer des phrases obscures sortir des profondeurs insondables et pleines de microbes de l'oubli. Salut à tous et à toutes les amis, c'est Fant Animal, plus connu sous le nom de Fanta, et je suis en compagnie de Bob Lennon. Salut Bob. Néanmoins, cela fera largement l'affaire pour porter du matériel. L'irrespect absolu, si tu veux. Voyons voir ce que l'on peut donc troquer. Ils ont des joyaux, ils ont des défenses et ils ont des dents. Ce qui a une valeur absolument folle. Et ça, valeur 3, renommée 1, argent 3. Et ça a 3 de valeur. C'est pas beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent de l'argent des abonnés. Mais écoute, on va échanger l'argent des abonnés contre, hop, une défense. Ça... Et est-ce qu'on peut échanger ça contre des dents? Les dents, c'est bien. Hein. Ça aussi, c'est bien parce que ça permet de soigner. Mais bon, après, voilà, si on échange ça contre des torches, genre, prends plein de torches si tu veux. Oh putain, mais ça nous en laisse qu'une, ça. C'est pas bien, en fait. Tu veux pas ta viande? Ta propre viande, là, que tu m'as donnée. Ouais, c'est cool. Quoique, on a les boîtes de conserve. Hein. Valeur 5, ouais, mais la viande, elle rapporte combien? Je sais pas combien elle rapporte, mais écoute, on va... C'est une viande animal cuite, un beefsteak délicieux. Bah écoute, on va leur donner 2 boîtes de conserve. Et avec ça, on devrait être pas mal. On a récupéré 5 dents, des défenses et des joyaux. Ce qui va nous faire du pognon, ce qui est important. On fait affaire. Merci. Et du coup, on va se reposer dans le village, même si du coup, on est un peu... on sera plus trop les bienvenus, mais au moins ça nous permettra de récupérer notre santé mentale. Et de toute façon, on va piller leur temple, donc on s'en rend pas les couilles. Je demandais à mon équipe de déballer nos affaires et de se préparer pour la nuit. Un jeune homme m'a abordé. Il voulait savoir s'il était vrai que les Européens avaient plusieurs femmes. Les hommes n'ont qu'une seule femme, les hommes ont plusieurs femmes. C'est un village. C'est un village de sauvages et de barbares. On va présumer qu'ils sont polygames. J'ai menti et je lui ai dit que les Européens avaient plusieurs femmes. Il a hoché la tête, mais je savais que ma réponse ne le satisfaisait pas. Ah merde! Ça m'apprendra. Il a compris que je le prenais pour un con. C'est pas grave. On a gagné de la santé mentale, on a perdu un jour et on a perdu 2 de répute. Donc là pour l'instant ils sont neutres. On peut même se reposer encore et se mettre full santé mentale, ce qui serait pas mal. Hein. Tu sais quoi, dès le début on va faire ça. On va faire ça. Très bien. Les indigènes furent très accueillants et nous sommes assis autour d'un grand feu partageant des histoires passionnantes jusque tard dans la nuit. Excellent. Voilà, donc là maintenant ils font la gueule, donc on va se casser. Et on est suivi. Ah. Très bien. C'est brave. Nous sommes donc suivis pendant 63 jours, ce qui fait que si on paye l'un de leurs temples, ils vont exiger des réparations. Sauf que les réparations qu'on va leur donner, c'est de la molestation, si tu veux. Donc c'est impeccable. Donc lui, c'est un humain, je peux le promouvoir. Lui, c'est une bête de charge. Très bien. Eh ben écoute, allons-y.
Une caverne. Pam, 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 pam. Nous nous sommes approchés d'une grotte pour une seconde fois. Son entrée menait vers des ténèbres d'une profondeur inconnue. Nous aurions besoin d'une torche pour découvrir ces mystères cachés. On a eu la torche et nous avons pénétré à l'intérieur. Nous sommes arrivés devant un petit passage. Non merci. Non merci. Malheureusement, on ne peut pas prendre le risque de perdre un membre de l'expédition dès le début, c'est le même problème. Cependant, là, il y a un temple, et là où il y a un temple... si on explore le sanctuaire, ça va rendre les indigènes extrêmement vénères. Cependant, on s'en bat un peu les couilles, je dois l'admettre. Mangeons. 15 santé mentale, c'est vraiment de la bonne viande hein, qu'ils nous ont donné. Nous nous sommes arrêtés pour contempler ce temple bâti avec d'énormes blocs de pierre. Ses murs en pierre avaient été ornementés d'une multitude de gravures. Un grand escalier menait vers un gigantesque arche. La structure présentait de longues fissures, mais elle semblait suffisamment stable pour l'explorer. Allons-y. Nous sommes entrés précautionneusement dans une chambre cérémonielle parfaitement préservée. Nous avons examiné minutieusement cette salle majestueuse. J'ai retenu mon souffle en découvrant cet antique hôtel dressé au centre de la pièce. Page d'un ouvrage sur la création du monde. Et une statuette en or. On prend tout. Voilà, on prend tout. Ce n'est pas le moment de hésiter. L'artefact ne décorera plus l'hôtel. Au moment où nous sommes emparés du trésor, la terre a commencé à gronder. Nous nous sommes précipités vers l'extérieur alors que le sanctuaire s'effondrait et que d'énormes montagnes entraient en éruption. Un groupe de guerriers indigènes est apparu soudainement sorti de nulle part. Ils avaient dû filer depuis que nous avions quitté leur village. Leur chef était visiblement furieux par mes actions et exigeait que je paye un tribut à titre de compensation. Je refuse ! Oh oui, le cerveau ! J'ai réussi à les calmer et à faire la paix. Finalement, ils m'ont permis de poursuivre notre voyage. Ha ha ! Les nuls ! Ce qui veut dire que du coup, malheureusement, il va falloir... je peux soit couper par là, ce qui est pas si mal. Ce qui est pas si mal, on peut espérer. Ouais. Ouh là là, stop. Stop. Voilà. Demi-tour. Ah ah ! Un cercle de pierre. Nous sommes tombés sur une formation rocheuse qui semblait être l'œuvre de l'homme. Il y avait des inscriptions peintes sur chaque pierre. Peut-être était-ce une sorte de carte. Révéler les campements. Les campements, ça doit être les endroits où on peut dormir, en fait, simplement. Donc s'il n'y a plus de ruines, de villages ou de grottes à révéler, ça veut dire que ça c'est une ruine. Et il ne reste qu'un endroit où on pourrait camper, en fait, potentiellement. Mais ça ne sert à rien. Parce que j'ai une chance de rendre un de mes gars superstitieux, notamment le Fanta, si tu veux. Et j'aimerais ne pas rendre Fanta superstitieuse possible. Ah bah somme toute, voilà qui est bien pratique. Voilà qui est fort urbain, j'ai envie d'ajouter. Alors, dans l'ordre, nous avons peu d'intelligence, enfin peu de santé mentale, mais largement suffisamment pour tenter d'aller nous attaquer à cette bête féroce et de l'humilier séance, tu veux. Super, on l'affronte, une hyène. Attention! Ouh! C'est quoi ça du coup? C'est de la magie? Rituel de l'unité. C'est de la magie, je peux faire de la magie avec ma hache. Ok, c'est métal. Attaque précise. Bam! Coup violent, 5 dégâts, ennemi étourdi. Putain! Eh mais, ça c'est une bête de somme, ça, somme toute. Bah! Voilà, on l'a eu. Récupérons le merdier sur la dépouille. La peau et notamment la viande. Clique gauche pour l'utiliser. Et ça la fait viande animale carbonisée. De santé mentale, écoute, c'est pas très grave, personnellement je trouve ça pas mal. On a 28, ça nous ferait 23, mais ça nous permettrait de fuir vite là en fait. Sauf si c'est une fissure. C'est le mieux. C'est risqué, mais c'est le mieux, allons-y. On va être à la limite de notre santé mentale, mais pour une première expédition ça s'est passé, et somme toute très très bien. Je mange une canette de cette saloperie, et j'explore le sanctuaire. Un grand bâtiment se dressait devant nous, majestueux, immense, immortel. Cette construction était un témoignage de la puissance de ceux qui l'avaient érigé. Un cercle de sang desséché avait été tracé tout autour de la structure comme un avertissement pour quiconque oserait pénétrer. J'avais entendu comme un bruit d'eau sous nos pieds. Excellent. Allons-y. Du coup, voyons voir ce qu'il y a. Un trophée YouTube à 1 million d'abonnés. Oh ! D'une valeur inestimable. Et une amulette en or, et ça c'est cool aussi. On prend tout. Voilà, on prend tout et des geysers d'eau gigantesques sortent du temple. Parce qu'il avait annoncé la flotte, si tu veux. Là, 20, on va se prendre de la merde si on fait ça. 16, on est bien.
On a le temps d'y aller avant que tout l'endroit se transforme en flotte. Et voilà. Et c'est la victoire. Et ben putain, ça s'est bien passé. Regarde ça, on a encore de la flotte et tout. Non, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. On est bien, on est bien. La pyramide d'or dominait tout le paysage environnant. C'est un succès. Pénétrons. Après plusieurs semaines de voyage, je fus envahi par une immense joie. Je savais que mon nom, Bob Lennon, ne serait jamais oublié. À part, genre, je sais pas, 15 ans après ma mort. Enfin bon. Succès. Oh, et donc on a tous les bonus. Voilà la carte. Et bah pas mal. Et donc, ouais, ah putain, ça nous met le tracé. Ok, très bien. Ça fait du sens. Quelle bravoure! Oh, triomphe! Quelle journée! Chaman, recevez un dé additionnel de chaman. Force de volonté, plus 20 de santé mentale. Army Medic, soigne les membres non humains pour moins et regagne un peu de santé mentale après le combat. Gain de santé mentale après un combat, plus 20. C'est très intéressant ça. Alors autant le dé additionnel du chaman, c'est sympathique. Plus 20 de santé mentale, c'est beaucoup. Mais le problème après, c'est qu'il faut que j'ai les moyens de remonter cette santé mentale. Voyez-vous ? Donc c'est bien, plus 20 en santé mentale. Mais quelque part, la capacité de se battre et de gagner de la santé mentale, ça peut être remplacé par un soldat, tu me diras. Ça peut être remplacé par un soldat. Je vais prendre la force de la volonté. Plus 20 en santé mentale. Oh, c'est tout simplement merveilleux. Je fais très mal la voix, franchement. Oh là là, Joseph Joestar qui part comme une flèche. Indiana Jones qui est au pute. Astérix qui a pas compris que c'était pas des aventures qu'il vivait, que c'était une expansion. Car ça, il est déprimé, Astérix. Très bien. Alors, ce qu'il me faut, c'est des thunes. Cette peau vaut 15, je vais la garder. Ça, ça vaut des thunes. Ça, c'est des dents qui ont une valeur de 10, donc je vais la garder. Ça, je vais la donner parce que c'est un peu de renommée. Ça, je vais le vendre. Je vais le vendre parce qu'il me faut des thunes, en fait. Ah, 70, c'est rentable, mais 42 thunes, ça peut faire la différence. Hein. Ah, allez, on fait le don et on y croit. Deuxième expédition. Voyons voir. Nous partons donc de Londres et nous avons le choix d'aller soit dans la mortelle Arctique. Une pyramide en or se trouve dans cette région. Avec un hôtel, deux salons de skidoo, un village et deux trucs comme ça. Soit l'ancienne jungle avec un téléporteur, deux temples, un village et une mission. C'est risqué de partir pour l'Arctique. Hein. C'est très risqué. T'as accompli une mission, t'auras de la thune en plus, c'est vrai. C'est très risqué de partir pour l'Arctique parce que je n'ai pas je n'ai pas de bottes de glace, si vous voulez. Même si j'aime beaucoup l'Arctique. Hein. L'Arctique, c'est sympathique. Hein. Ah, mais là, il y a un portail magique vert, si tu veux. Ça peut être ouf. Hein. Ça peut être ouf. En plus, j'ai des machettes. Donc ouais, il faut que j'aille à la jungle. Je suis désolé. Même si c'est censé être plus intéressant, c'est statistiquement plus intéressant, enfin plus intelligent de ma part d'aller là-bas. C'est qui cette femme agro-ince ? Trop excité par cette femme qui était à l'orée du bateau, je me suis précipité vers le port. Le capitaine n'était pas encore arrivé. Une femme est venue solliciter mon aide. Elle m'a parlé de son mari disparu, un aventurier qui n'était pas revenu lors de sa dernière expédition. Elle m'a supplié d'essayer de le retrouver, et s'il était encore vivant, de le ramener jusqu'à elle. J'accepte. J'ai hoché la tête en signe d'acquiescement, et j'ai promis de retrouver son bien-aimé. En tant qu'un des plus fameux explorateurs de notre époque, explorateur triste, euseuse, j'aime bien le... Il manque le point, tu sais, E, c'est adorable, ES. Les récits de mes exploits avaient attiré une foule de queues sur les quais. J'ai été approché par plusieurs personnes compétentes, assez braves pour allier ma cause. Qui allais-je recruter ? Elijah Marx, le marin, expert en fusée et alcoolique. C'est pas très intéressant, mais il a deux dés verts, et j'ai pas beaucoup de dés verts, c'est vrai que c'est cool. Sapchouji Naoroji, ça va être très difficile de pas faire un accent si je le prends. Junaid Atia, et lui il a un bon dés vert, ce qui peut faire la différence. Et il est superstitieux, mais c'est un expert du désert. Je suis parti pour prendre Elijah Marx. Parce que il a plus de capacité de transport, il a 2 dés, même si c'est des dés du fail, et il est expandable, si vous voulez. Voilà.
Les deux autres, il n'y a pas de grande utilité que je pourrais en avoir, donc on va le recruter lui, et puis on l'abandonnera, on l'attachera à un arbre avant les grandes vacances, bref, voilà. Très bien. Ah oui, je peux recruter deux gars, c'est vrai! Les nouvelles à propos de mes glorieuses aventures s'étaient répandues. Je n'ai pas été surpris de voir que les histoires tirées de mes dernières expéditions avaient suscité la plus grande attention. Bien des recrues se sont approchées. Adèle Rougeau, artiste, peut peindre. Ah! The Fantasio F7-4, le failure. On peut encore avoir un fanta. Sœur Aralda, la missionnaire, qui est claustrophobe. Solidarité spirituelle et surtout une grosse santé mentale. C'est pas mal, hein, mais j'ai envie de dire un Fanta 3. Toujours plus de Fanta, hein. Pourquoi pas, allons-y, prenons un autre Fanta. C'est lequel, lui? C'est les mêmes? C'est les mêmes, d'accord, j'ai recruté deux fois Fanfan, mais c'est pas très grave, ça veut dire qu'on a un Fanta de trop. Donc c'est bien, on peut. Amélioration de l'animal, oui, il faut que j'améliore Fanta, c'est vrai. Plus une de charge pour Fanta. Bah écoute, coût 50. Ouais, on va le faire, c'est garanti. Alors attendez, excusez-moi par contre. Ok, mes excuses. Donc oui, maintenant qu'on a plein de Fanta, on peut en perdre un dans la grotte, c'est pas très grave. Même si on a lui qu'on peut perdre dans la grotte, ou lui, on voudrait éviter parce qu'il a amélioration de charge supplémentaire, et c'est somme toute très bien. Ça coûterait combien 100$ pour une caisse de plus? Non, il nous faut du matos. À un moment, il nous faut du matos, c'est pas possible. Oh, un télescope, chance de points d'exploration supplémentaire, plus 30%. C'est pas rien. C'est pas rien. Je vais le prendre, ouais, je vais le prendre. Ça coûte cher, mais voilà, il nous reste 70 balles. On pourrait acheter 7 chocolats, donc pour 70 santé mentale. Il me reste quelques machettes. Combien ça coûte les machettes? Pas très cher, on va remplacer notre stock de 10 machettes. Surtout que, bon, pour les villageois, ça a quand même pas mal de valeur, hein, donc on va en prendre plein, en fait, j'ai rien dit. Les torches, j'en ai encore deux, tout va bien. Du matos d'escalade, tu rigoles, mais oui, j'aimerais en prendre deux, si possible. Une corde, je ne sais pas, des balles, c'est pas nécessaire. Trousse de premiers soins, c'est tentant, même si j'ai le sortilège de soins avec la hache magique, mais ce serait somme toute extrêmement risqué, je ne sais pas, ce serait intelligent d'en prendre, mais ce serait trop con de se surcharger pour rien, en fait, alors qu'il me faudrait du chocolat et ça. Une pelle, j'ai pas de carte, la pelle servira à rien, on va prendre du chocolat, et puis même on va y aller sans chocolat, quoique si, un peu de chocolat, c'est intelligent, allons-y, faites affaire. Excellent. À ma grande joie, le bateau était prêt pour quitter le port, et on appareille. Eh ben, en tout cas, on est pas mal, j'ai envie de dire, deuxième expédition, on a genre 150 emplacements de stock. On a trouvé deux Fanta. Un Fanta de perdu, 10 de retrouvé, chers amis, c'est l'Everest. Je terminais mes ablutions matinales quand nous sommes arrivés sur notre zone d'exploration. J'étais impatient de découvrir les aventures qui nous attendaient. J'aurais jamais dû vous suivre. Ce Fanta qui est là, qui est complètement présent. Pas besoin de se ravitaner en eau. On a tout ce qu'il faut. Sauf ça, on va essayer de le bouger. Voilà. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop. Voilà, très bien. Allons-y. Eh ben, c'est un bon petit départ de merde, ça. On n'y voit pas bien clair, je pourrais aller là, mais vous voyez que c'est toute cette marque, donc il faudrait un truc qui soit ici plutôt que d'avoir une bonne vue. Donc on va avancer ici. Et on tombe sur des prairies. Allons-y. Ah ! Des choses ! Explorons et on passera par là ensuite. Ah ah! Nous avons fait une découverte insolite. Nous avons trouvé les vestiges d'un ancien navire. Il ressemblait à un ancien navire pirate. Le temps avait laissé des traces sur ce navire autrefois majestueux. J'ai tenté de lire son nom, mais la coque était trop pourrie. J'aime pas cet endroit. Mais c'est pas vrai! Calmez-vous. Trouvons des choses. De la dynamite, mon gars, et 5 pelles, ce qui est pas rien. On prend tout et on y va. Excellente nouvelle, somme toute. Hein. J'ai gagné un point d'XP, ce qui veut dire que je peux les donner aux deux fanfans. Mais je vais peut-être me focaliser sur un fanfan, en fait. Quoique, ouais, non. Hop, déjà, pouf. Voilà. Et il gagne un dé d'intelligence. Ah! Donc je pourrais donner un point de plus à l'autre fanfan parce qu'un dé d'intelligence, c'est pas rien, somme toute. Hein. C'est pas rien. Diplomatie autochtone. Augmente la santé mentale en se reposant dans les villages. Ah oui. C'est vrai. Et cuisinière level 3, ce qui serait assez fumé. Soit je garde mon point, soit je le donne. Écoute, on verra si on tombe dans une situation de combat. Allons-y. Ah ah, un village d'autochtones. Et ça me donne pas de points bonus, tant pis. Faisons. Ça devrait être quoi? Des marécages. C'est probablement un temple ou une mission. Peut-être c'est une mission. Hein. On va essayer de se mettre les autochtones à la bonne.
On va s'approcher prudemment d'un village indigène inconnu. Des guerriers, courageux et imposants. Très bien. Voyons voir ce qu'ils offrent. Ah, ils m'offrent de la bouffe. Très fantastique de leur part. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se reposer chez eux, recruter ou troquer. Voyons voir ce qu'ils ont. Alors, ils ont des fruits, ils ont ça, ils ont de la viande crue, ce qui est somme toute pas très utile. Ils ont des diams. Des diams. Et nous, on aime ça, les diams. Si tu veux, les diams, c'est fantastique. Valeur 10, et ça, ça vaut combien? Valeur 10. Donc, pour un chocolat, tu m'échanges des diams. Oui. Je dis oui, je dis oui. J'ai envie de gagner un peu leur faveur, cependant. Qu'est-ce qui gagnerait leur faveur? Valeur 50. Pouah, effectivement. Les dents d'animal, c'est vrai que c'est pratique pour échanger avec eux. Voilà, réputation plus 2. Si j'enlève une dent d'animal et que je mets genre une torche... Ouais, non, il faut atteindre ça. Si je vous rends la viande qu'on m'avait filée comme un vieux chien... Ça donne 15, et ça donne que 10. Mais c'est bien de garder un peu d'XP. Oh, ça vaut de la valeur, ça. Ouais, ça vaut de la valeur. Mais par contre, ouais, donc ouais, avec une torche peut-être. Une pelle. Voulez-vous une pelle? Ils veulent une pelle. Une pelle, excellent, une pelle. Hey, fantastique. Qu'est-ce qu'ils sont cons, c'est un régal. Alors, et là, la guerrière. Pouah, reproductrice, mon gars, hein, elle est présente. Manokev, reproducteur, il est présent, le vieux. Buffle d'eau. Pouah, buffle d'eau, qui a 4 charges. Oh, je dis oui. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. J'ai recruté un buffle d'eau, et ça, c'est la capacité de transport la plus absolue de toute ma vie. En plus, ils m'aiment toujours, ça n'a même pas baissé leur répute, si tu veux. Cool, 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 ça veut dire qu'on peut se reposer ici. Est-ce qu'on se repose ici ou est-ce qu'on s'enfuit comme des lâches? Est-ce qu'on s'enfuit comme des lâches? Écoute, on va se reposer ici, ça va bien se passer. À la nuit tombée, les indigènes ont allumé un grand feu et nous ont invités à se joindre à eux. Un homme âgé m'a posé une question, il voulait savoir s'il était vrai que les Européens avaient plusieurs femmes. Ah, 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 je connais la réponse! Une, monseigneur! Je lui ai répondu que notre religion condamnait la polygamie. Il a hoché la tête, mais je ne savais pas si cette réponse le satisfaisait. Ah merde! Merde! C'est un piège! C'est... Vous avez une ou plusieurs femmes? Des femmes? Non, non, nous on baise que des petits garçons. C'est ça la bonne réponse, c'est dégueulasse. Bon, tant pis. Allons-y. On a dormi dans le plus grand confort et on se tire. Parce que de toute façon, on va cramer leur pays, donc c'est pas comme si on voulait... On voulait devenir amis avec eux, en fait. C'est ça, en fait, le gag. Allons-y. Un gorille, chance d'agression 40%, 3 jours de voyage. Vous avez trop de membres dans votre expédition. Ah! Il faut virer un membre de l'expédition. 5, 3, 3 et 4. Je peux le monter. Ah, mais on est trop nombreux, c'est ça. Ah, et ça compte. Ah, merde, bah du coup. Bon, bah c'est pas grave. Elijah. Au revoir, Elijah. Un régal, Elijah. Ils sont pas d'accord. Wow, quelle tristesse. Allez, tirez-vous. Voilà, c'est ça, je veux pas le savoir. On va lui monter, ce qui fait qu'il a un anneau, enfin il a un dé maintenant d'attaque, et nous, on a moins de coups de santé mentale, de déplacement, si tu veux. Ce qui fait que du coup, regardez, ça coûte 8 au lieu de coûter 10. On se déplace et on attaque le gorille. Deux gorilles. Et ben, on a des couilles, hein. Allons-y. C'est parti. Un dé d'attaque, avec un œil, attaque précise. Oh là là, on va s'en prendre plein la bouche. Plein la bouche, n'est-ce pas? On va s'en prendre plein la bouche, hein. Bref. Ça... C'est quoi ça? Bélier, 3 de dégâts. Ouais, c'est bien ça. Bref, allez. Ça, c'est quoi? Raillé, ouais, c'est une taunte. C'est une taunte. Mais il a une attaque, hein. Ce serait mieux son attaque, en vrai. Ce serait mieux un œil. Quoique, on fait péter un dé, écoute, hein. On fait péter une dynamite. Attaque multiple, 4 dans leur gueule. Voilà, boum. Je garde ces dés. Quoi, je peux le lâcher, celui-ci. Allons-y. Rien du tout. C'est pas mal, on peut travailler avec ça. Alors, malédiction du poison, attaque précise pour 3, ça ferait 3, il lui manquerait 5 de dommages. Et ça, la patate, coup violent, 5 patates, et il est étourdi. Boum, patate, et on peut le tuer lui derrière. Boum, voilà, il paye. Et derrière, rituel de l'unité, un bouclier et 2 de soins. Oh, impeccable. Avec ça, on est pas mal, là, on est bien parti. Ouch, un fanfan caprichaire, mais ça va bien se passer, on n'a rien pour le soigner, donc il mourra d'infection, mais c'est pas grave, on en a plein des fanfans, ça va bien se passer. Une patate, déjà. 2 patates, déjà. 3 patates, déjà. Rituel de guérison. Oh là là, divin! Ah, et rien du tout.
Et il va pas mourir, mais il est stun. Mais le rituel de guérison est assez divin, je dois l'avouer. Oh, le rituel de guérison. Oh, l'attaque. Plus qu'à espérer qu'il foire. Il a pas foiré, l'enculé. Ah, il a blessé le buffle. C'est pas grave, Où est le dé du rituel de guérison? On a déjà tout ce qu'il faut, donc on va voir si on peut le choper. Ça. Oh, c'est beau, ça. Oh, la hache. Et voilà, pas d'infection, mon gars. Boum. Allez, Cardjack. Des bisous. Nous avons récupéré sur les débouilles de Cardjack tout ce qui pourrait nous être utile. Et damné soit Tarzan. 20 valeurs. 4 pieds de gorille, un peu de viande et des dents. C'est plutôt pas mal ce qu'on a trouvé là pour le coup. Ils nous font la gueule, moins 1. Ils nous font la gueule, mais honnêtement, on pourrait même retourner au village pour choper masse de matériel. Hein. Genre, tout le matos du monde en fait. Hein. Notamment du matos pour regagner un peu de loyauté de la part de ces espèces de fantas arrogants. Ça parle mal. Paycab. Entrez dans la hutte. Oh, une hutte de chaman. Voyons voir. Nous sommes entrés dans une curieuse case. L'intérieur était sombre et humide, avec toutes sortes d'herbes séchées et d'autres choses bizarres pendues au plafond. Un chaman s'est avancé vers nous. Putain, j'en chie ce soir. Il avait le regard absent et mâchait des feuilles. D'accord, il est pété en fait. Elle est pétée, ok, très bien. Très bien. Comme si le temps s'était ralenti pour elle, le chaman a sorti un sac en peau d'animal et nous a présenté ses marchandises. Oh, le tambour! Oh, un cube métallique! Oh, des pare-chauds! Création d'un lac, retour chez soi, création du monde, création d'un portail de voyage. Eh ben, du coup, on peut lui vendre ça? Ouais, un ouvrage sur la création du monde, c'est cool ça. Bâton totem, non. Des petites poupées permettent de chasser les peurs avant d'aller dormir. Ça, c'est cool ça. Ça, c'est cool. Mais surtout, voilà, ce bongo d'une valeur absolument folle et ce cube métallique. Cube métallique, c'est pas mal. Hein. On va prendre ça. On va lâcher une patte de gorille. Pack de gorilles, et il y a de la viande crue, mais la viande crue, on peut pas en faire quelque chose d'aussi avec autant de valeur que l'autre. On va lâcher les dents, parce que les dents, c'est à ça que ça sert, hein, c'est pour le troc. Donc du coup, c'est pas mal. Et voilà. Et on peut demander de purification pour personne, parce que de toute façon, on en a rien à faire. Donc, par contre, fais voir, c'est 10 la dent et une poupée. Oh, c'est cool. Je vais choper 2 poupées, on sait jamais. Hein. Voilà. Voilà, merci. Comme quoi, somme toute, fort aimable, cette chamanesse. Du coup, 14 jours, enfin 14 de santé mentale, petit voyage qui nous fait atterrir pile poil là, juste à côté d'une mission dans laquelle nous trouverons bien évidemment les suivants de notre sauveur et seigneur Jésus-Christ. Allons-y. Coup de bongo. Voilà, pas de raison. Ok, nouveau lieu découvert. Je sais pas où tu les vois tes lieux, mais allons-y. Et on a level 2, donc on peut le bourrer lui. Hein. On va faire ça, je pense. Voilà, très bien. Comme ça, level 3, level 4 et diplomatie autochtone, c'est cool. Entrons dans la mission. Nous sommes entrés dans la mission et avons été accueillis par un vieux missionnaire. Il paraissait revivre à la vue des nouvelles têtes après que lui et ses frères soient restés coupés du monde durant une éternité, selon ses mots. Frère, obéir. Très bien. Rester pour la nuit, c'est cool. Troquer, accéder à l'entrepôt. Accéder à l'entrepôt, on verra automatiquement tout ce que je souhaite envoyer à Londres, en fait. Donc ça permet de vider un peu mon inventaire, ce qui est pratique, somme toute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux envoyer? Je pense pas qu'on croisera d'autres villages, donc je peux lâcher les dents et les mains d'Orang-Outan. Voilà, comme ça au moins, c'est pas mal. Ensuite, Troquet, qu'est-ce qu'il a? Dis-moi ce qu'il a. Il a une carte au trésor. Oh! On a des pelles, il a des billes. Et les billes, c'est divin, mon gars. Et surtout, il a une trousse de soins. Oh, mais il est bien, ce prêtros, là. Alors, attends, avant ça, on va partir une petite seconde. Parce que je souhaite cuire, voilà, toute cette merde. Voilà, et du coup, valeur 3. Viande animale trop cuite. Ah, elle a moins de valeur une fois cuite lorsqu'elle n'est pas cuite. Et du coup, j'ai pas besoin de dormir chez lui, en fait. Ok, on finit par s'y habituer. C'est vraiment délicieux, très bien. Du coup, on peut troquer et voir ce qu'on peut lui choper. La carte m'a l'air intéressante. Et les billes, mon gars, les billes. Ok. Et ça, très bien. Alors, du coup, je peux lui lâcher la viande d'animal cuite. Alors, de toute façon, elle mourra après l'expédition. Et on est presque... On est assez loin, dans tous les cas. J'ignore à combien on est. 20 valeurs et 20, donc 40. Et là, 15 plus 3, seulement 18.
Il nous faudrait genre deux chocolats et peut-être une pelle du coup. Si, ou une machette. Ouais, une machette, ça te va, une machette? Une machette, on est bon? On est bon, on dit oui. Des poupées, tu veux jouer à la poupée chez toi? Non, il s'en bat les couilles. Très bien, bon bah allons-y. Avec ça, boum! On a récupéré masse de valeur avec d'autres villages dans de futures expéditions. Comme quoi, on a tout gagné. Du coup, on se casse et là, il y a des ennemis. Mais comme on a encore du matos d'escalade, profitons-en. Ouh, pour nous donner une petite vue. Très bien, donc là on se doute de ce qu'il y a. Ici c'est sans doute la pyramide. Une pyramide est souvent entourée de 8 fois, pardon, de 6 fois, c'est un hexagone, de 6 fois le même terrain en fait. Donc si c'est 6 fois le même terrain, c'est sans doute la pyramide. Voulant dire qu'il y a une caverne là-bas, ainsi qu'un truc ici dont j'ignore la teneur si vous voulez. J'ignore la teneur. C'est pas grave, on peut prendre le temps. Hop, et on peut attaquer les hyènes. 2 yens seulement, ça devrait somme toute bien se passer. Allons-y. Et il faut pas que j'oublie de regarder la carte aussi. Donc on va commencer par une patate. Ouh ! Déjà ça commence. Coup de boule. Dégâts 1 étourdi. Le coup de boule, c'est vrai que c'est assez divin. Petit coup d'épée. Et ça, écoute, y a rien à en faire, attendons. Hein. Attaque précise. Brrr. Coup de sabot. Brrr. Et voilà. Voilà. Nous avons récupéré sur les morts tout ce qui pourrait être utile. Des dents, de la viande et du merdier. Très bien, on prend tout. Du coup, on va avancer jusque là. On a encore pas mal de santé mentale. On est en bonne santé. Hein. Entrez dans le cercle de pierre et on peut révéler les ruines, les campements et les grottes. J'aimerais révéler les ruines. Allons-y. Il y avait 2 ruines. Une juste en dessous du village que nous avons manqué. Et une derrière cette installation, ce qui me paraît somme toute assez complexe. On va aller jusque là, allons-y. Clampy, on claque des machettes, hein, c'est à ça que ça sert. Ah c'est bon, au moins on va pouvoir accéder à là. Oh, il y a même un papillon, on a tout gagné. On coupe. Voilà. Bob a capturé des papillons bizarres. Wouh, trop bien. Explorons la grotte. Une grotte, allumons la torche et explorons, c'est à ça qu'elle sert. Oh, nous avons allumé une torche et nous avons pénétré à l'intérieur. Nous avons trouvé un magnifique lac souterrain. Son eau était aussi claire qu'une eau de source. Et un grand nombre de plantes et surtout de champignons colorés prospéraient sur ses rives. Peut-être devrions-nous prendre le temps d'en ramasser quelques-uns. Ramassons des champignons! Oh là 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 là! Grosse découverte, les mecs! Grosse découverte. Donc un champignon de soin, un champignon de vision et un champignon... J'ignore ce qu'il fait, mais c'est pas mal. Et en haut, il y a encore un truc avec un éléphant. Ouais, c'est pas mal. Écoute, coup de bongo, et allons-y. Pas le choix, il va falloir qu'on l'atteigne. Même si on en chie de passer à travers la forêt, si tu veux. On est tombé en dessous de la santé mentale de ce que moi, je suis confortable, en tout cas. Donc, on va manger la viande nulle. J'aurais pu manger les conserves, mais je garde les conserves. Les conserves, c'est vraiment le dernier atout, si tu veux. Explorons le sanctuaire. Très bien. Je pourrais jurer que j'avais entendu comme un bruit d'eau sous mes pieds. Excellent. Ça veut dire que c'est juste de la flotte qui me court après, et ça devrait bien se passer. Oh là là, regardez-moi ces bijoux. Je prends tout. Allez. Des geysers d'eau gigantesques. On se casse. On a normalement toute la santé mentale nécessaire pour aller au moins jusque-là. On pourrait au moins rejoindre ce truc ou celui-ci aussi. Et si jamais on a l'occasion d'affronter cette espèce de pachyderme sur la route, on le fera. Ouais, on l'a eu. 2. Oi, on est peut-être... On est peut-être un peu gourmand. On est peut-être un peu gourmand. C'est pas grave. 2. Et c'est vrai que j'ai oublié la carte en plus. C'est pas grave. 2. Paniquons pas. On va en focus 1. Et on va y croire. On a la magie de protection du bureau barbare. Rituel de guérison de l'unité. Et il y a d'autres trucs à quoi je peux associer. Malédiction du poison. Ça leur ferait qu'un poison par tour. À la fin, ça ferait pas tant de dégâts que ça. Mais écoute, c'est toujours ça qui est gagné. Mais je préfère éventuellement utiliser la magie afin de générer un bouclier, si faible soit-il. Voilà. Avec ça, on peut faire 2 attaques précises. Pas mal.
Allez, on peut en focusser un. Oh là 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 là. Étourdi à moitié. Hein. Eh ben putain, ça va être complexe, allons-y. Hein. Oui. Aïe. U. D'accord, beaucoup de gens sont morts, mais on se panique pas. On se panique pas. Fuir. Fuir. Ouais, on va fuir, je pense. Hein. Ça passe pas. Quoique, si on arrive à en buter un, mais après ils vont nous focus. Ouais, mais on est plus que deux, si tu veux. On est plus que deux à la hache. On pourrait faire un rituel de l'unité, mais je sais même pas si ça les ressuscite, en fait. Ah, il faut fuir. Les blessures de The Fantasy de cette 4 Fanta de la guilde Pyro-Barbare, Monsieur Catley était trop sévère pour nous permettre de fuir rapidement. Je ne pouvais rien faire d'autre que de les abandonner. Oh là là! Oh, par contre, on a gardé le Fanta original! Tout va bien! Et là, il y a un portail magique. Bon. 10 emplacements d'objets en trop. C'est pas grave. On a les moyens de s'en sortir. Explorons le portail. Allons-y. On pénètre, on est comme ça, nous. On est comme ça. Alors, nous sommes dans un monde sibyllin et merveilleux. On me dit, Bob, t'aurais pu rusher la fin. Ouais, non, ça passait pas. Par contre, ce qui passe, c'est d'utiliser un champignon magique pour soigner The Fantasio 974, qui est maintenant full life. On peut jeter ces champignons à Fantôme. Non, attends, qu'est-ce qu'il faut jeter? Et puis cette carte, c'est un peu tard hein, pour s'en préoccuper. On peut jeter la torche, on peut jeter les pelles. On peut prendre les peluches, voilà, histoire de nous divertir, c'est cool. C'est déjà ça. On peut en manger un, si tu veux. Putain. On peut jeter la flotte. Toujours jeter la flotte, c'est bien. 6 emplacements en trop. Complexe. On peut jouer un coup de tam-tam. Coup du voyage 108. Et là, coup du voyage 40. Même si on est surchargé, on lâche la pelle. Bon, on lâche la pelle, écoute, hein, tant pis, on lâche les pelles. Les billes, j'aimerais garder les billes quand même, ça masse de valeur pour les villageois. Ce cube mystique. 4 emplacements en trop, putain. 4 objets qui doivent zaille, hein. C'est la violence, hein. Tant pis pour les pots, de toute façon, on rapporte pas tant que ça. Ouais, il va falloir lâcher du champignon, hein, de toute façon. Allez. Et puis ce champignon de soie, on s'en bat les couilles. Allez, hop, on est bon. On a perdu, c'est vrai, beaucoup de matériel, mais on n'a pas perdu les trésors, et ça, c'est le plus important. Et en plus, voici une source chaude qui va nous permettre de nous régénérer et de nous mettre dans un état absolument fantastique. Ennemi agressif, point d'interrogation, jour restant. J'aurais peut-être dû garder les peluches. Voilà, on va monter la santé mentale, histoire que les événements catastrophiques ne se passent pas, si tu veux. Voilà. Et puis, on va explorer les sources, allons-y. Les sources naturelles d'eau. L'eau avait un coloris étrange ici, sans doute tiré de sa source souterraine. Eh ben, reposons-nous pour la nuit. Nous profitions d'un air frais et pur en préparant le feu de camp. Cette nuit, nous pouvions entendre le son des tambours provenant de quelque part au loin. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que les indigènes battent énergiquement leurs tambours pour nous. Mais les indigènes d'un monde étrange est absurde, si tu veux. Même si du coup, il nous reste qu'une semaine, ou deux semaines. Au moins, ça va quand même grave mieux. Allons-y. Ouh ! Qu'est-ce que c'est ? Une statue en pierre. Une étrange figurine sculptée dans le granit envahie par la végétation. Son regard froid semblait dirigé constamment vers nous. C'était un spectacle déconcertant et j'avais envie de partir d'ici. Mais il y a des objets près de la statue. Oh, notamment des drums. Des baies rouges, des feuilles de coca. D'autres bongos, si tu veux. Qu'est-ce que je peux abandonner ? Parce que double bongo, vous savez que c'est très puissant, les enfants. Très très puissant. On va abandonner les caisses de bouffe. Quoi que ça, hein. Ouais. On va abandonner les caisses de bouffe. Et puis, tant pis. Allez. Moins de drépute, c'est pas grave. Entrez dans le village. Ah, merde. Bon, on fait le bongo. Allons-y. Nous sommes arrivés dans un village indigène. Nous sommes entrés dans un étrange campement d'une race étrange d'hommes lézards. Je pouvais sentir qu'ils venaient de préparer le repas. Les villageois nous ont fait signe d'approcher pour partager avec eux le repas fraîchement cuisiné. LOL ! Eh ben sublime de la viande, on prend tout.
Ils nous attendaient. Ils avaient sûrement été prévenus de notre arrivée par leurs éclaireurs. Ils étaient méfiants, mais ils nous ont offert leur aide. Peut-être dans l'espoir de nous voir partir plus tôt. Qu'est-ce qu'on peut recruter ? Il faut gagner leur confiance, d'accord, bah, il va falloir troquer un peu. Qu'est-ce qui pourrait être les intéresser ? De la viande, peut-être ? Les billes, vous voyez, plus 400%, valeur 10. Enfin ! Voilà, avec ça, on va pouvoir regagner un peu de street cred. Et les dents vont nous permettre de remonter positivement dans la réputation. Yes ! Ce qui fait que du coup, ils acceptent ? Non. Il faut leur en donner un peu plus. Prenez un peu plus de billes. Prenez de billes. Voilà, super. Zunshuni le chaman, un chaman homme lézard. Shozaza le chaman. Très bien. Et enfin, un parolosophus. Oh. C'est un très beau Pokémon. Petite civilisation argonienne, moi je prends un Monsieur Scoots. Scoots Haagen-Dazs. Il est là. Nous avons passé de merveilleux moments en compagnie des villageois. Ils nous ont traités avec le plus grand des respects. Bah, fantastique. On pourrait se reposer dans le village, mais ça risquerait de les vénérer un peu. Ils sont à combien ? Ils sont à plus 2. Vaut mieux se reposer dans le village. Ouais, c'est mieux. On va pouvoir faire ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent donner d'autre ? Ah, ils ont des drums encore ! Poum ! Ok, ils ont des drums. On va prendre les drums. On va donner des billes. Les billes qui ont été clutch. Hein. Oh là là, il y a des diams ! On va donner des billes. Oh là là, et la défense d'éléphant ! On va donner des billes. Voilà, très bien. Et un peu de viande. Leur viande. Voilà, on fait affaire. Eh, hey, les mecs ! Eh ben voilà ! Qu'est-ce qui se passe, les mecs ? C'est facile comme ça. Et voilà, super. Et du coup, on va se reposer chez eux, parce que nique leur race, on fait ce qu'on veut, on dort, voilà. 50 de santé mentale, merci le fanfan. J'ai eu un sommeil réparateur. Le lendemain matin, je me suis réveillé face à un rassemblement d'indigènes. Il semblerait que mes ronflements les amusaient. Les indigènes ne semblaient pas gênés par notre présence. Très bien. Eh ben, fantastique. Et tant pis, hein, on pourrait le jeter, parce que ça, on a perdu les pelles, de toute façon, donc... ouais, ça sert à rien. Allez, ça sert à rien. Puis même, on se désespère à les garder, si tu veux, donc ça sert un peu à rien. Combien de jours ? 6 jours restants, ici. C'est pas beaucoup. D'autres sources chaudes. Ce qui est pas mal, mais... 2 jours restants... Ah ! D'accord, notre cube métallique a été consommé et nous a donné 30 jours à passer en plus ici. Oui, mais c'est un peu beaucoup, si tu veux. Bon, bah c'est pas grave, on va examiner la statue. Oh bah là 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 ! Oh là là, bah oui ! Eh bah oui, nous on prend tout. Alors on perd de la répute, mais on mange les mangues, parce qu'on s'en bat les couilles, et on va se reposer dans les sources chaudes. Parce que nous, on est comme ça aussi. Nous on est comme ça, on mange des mangues, zbla, là, vrai, vrai, voilà. Voilà. Et là, on est un groupe de musique et on a 5 étoiles à donner, donc on peut le faire passer level 4, mon gars. Pah, pam, 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 et voilà, un Fantasio boosté au praline, si tu veux. Pas mal, pas mal, hein. Pas mal. Bon, et en plus, on a ça, c'est cool, je peux le monter. Ah non, ça me donne un empassement de objet en trop. Ah. Mais ça lui donne une attaque ? Non, ça lui donne pas d'attaque. Non, ça me permet juste de me déplacer plus facilement. Très bien. Non, très bien. Explorons les sources, mon gars. Eh ben écoute, glandon. J'ai remarqué que The Fantasy 974 m'observait subrepticement. Oh là là là. Bon, bah, on va passer 2 semaines dans des sources chaudes à poil, mon gars. À essayer de se souvenir des autres fantasmes, tu veux. Ce Fantasio 974 s'est approché de moi. Il m'a susurré à l'oreille en me mordillant tendrement le lobe combien il appréciait cette expédition et m'a promis qu'il continuerait à suivre mes ordres, peu importe ce qui pourrait nous arriver dans les jours à venir. Ok, je vais pas, on va pas étaler plus. Hein. On va continuer à se reposer. On est bien. C'est pas mal. Hop là. Ce qui se passe dans le monde alternatif reste dans le monde alternatif, chers amis. Du coup, c'est dommage d'avoir claqué le... très bien. Je me dis quand même que c'est dommage d'avoir claqué le cube magique
l'hypercube pour cet univers-là, qui était tout petit, somme toute. Mais bon, après, on est bien, si tu veux. Là, on est bien. Par contre, ça fait 30 fois qu'on se repose là, et... Voilà. C'est cool, mais voilà, quoi. Allez. Toujours. Ok, une dernière fois. Voilà, parfait. Et là, on peut explorer les sources une dernière fois. Allez, plus 10 de renommée. Ne trouvant pas le sommeil, j'ai observé et noté avec soin la position des étoiles dans le ciel sans nuages. J'ai remarqué une nouvelle constellation. Je suis sûr que mes observations pourraient intéresser quelqu'un dans le monde occidental. Oh. En tout cas, on s'est bien reposé, hein. Oh, les vacances qu'on a vécues, quoi. L'aventure nous attend, putain. Les mecs qui ont passé un temps infini, ils ont passé 3 mois... à se branler les couilles avec un diplodocus, quoi. Ça déchire tout, hein. Allez. Ok. Les mecs se nourrissent de sexe et d'eau fraîche. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Du coup, on peut accéder aisément, avec le plus grand des conforts, à cet endroit, explorer le campement. Oh, nous sommes entrés dans un vieux campement. À notre grande surprise, il n'était pas vide. Quelqu'un avait survécu ici, apparemment pendant très longtemps. Il dit s'appeler Derek Johan Clifton et nous a expliqué que son expédition avait échoué, le laissant ici seul. J'ai su qu'il était le mari disparu que nous avions promis de ramener chez lui. Eh ben très bien. Fantastique. Je lui ai parlé de sa femme et expliqué que nous allions l'accompagner jusque chez lui. Son esprit était visiblement perturbé après tant de temps passé loin de toute civilisation. Je lui assurais que désormais tout irait bien et mon équipe rassemblait les affaires pour partir. Enfin, mon équipe, on est deux, si tu veux. Par contre, il est cannibale. C'est un problème. Mais hop, on a chopé un champignon, tu vois. Excellent. Donc on peut rentrer là pour 35 de santé mentale en restant prudent. Donc un coup de bongo, deux coups de bongo, et même tous les bongos, si tu veux. Fais péter le coco bongo. Nous, on bongote. Oula, gros détour. Gros détour nul. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Oh, un surplomb rocheux. On pourrait s'y reposer afin de gagner de la santé mentale. Mais le problème, c'est qu'on est avec un cannibale, si vous voulez, les enfants. Donc moi, je suis pas en confiance. Hein. Par contre, on pourrait faire la route jusqu'à la hutte du chaman. Merde, mais il y a combien de jours? 28 jours restants, ça ferait combien, là? 23 jours de voyage, et après on reviendra là 7 jours. Ah non, malheureusement. On aurait pu faire la route pour la hutte du chaman afin de le purifier de son cannibalisme. Mais, somme toute... on s'en bat les couilles, allons-y. On a amplement mérité notre argent, mérité nos vacances, si tu veux. Oh là 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 là. Eh ben putain, pourquoi on n'y est pas arrivé plus tôt? Bah ça faisait plusieurs semaines que je l'avais repéré, mais j'ai voulu m'attaquer aux éléphants. Et puis on a perdu les 3/4 de notre équipe. Tout à fait. Et puis après on a pris un portail magique. Et nous avons vécu des aventures incroyables. Ah putain. Allons-y. C'est une victoire totale! Je serai une légende vivante! Oh, le score! Pouah! Pouah, 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 pouah! Laissez-moi voir! Laissez-moi voir! Exploratoris! Oh là 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 là! Comment peut-on laisser vivre de telles monstruosités? C'est sympa de votre part! Mais t'es un cannibale! Mitch Proof, on ne se fait plus chier par des moustiques. Navigateur, améliore la pression de la boussole lorsque vous découvrez de nouveaux terrains, non? Explorateur de l'Arctique, réduit le coût des déplacements de la neige épaisse. Et eh ben les trois sont nuls à chier. Mais, explorateur de l'Arctique, écoute, hein, c'est pas le pire, hein, c'est pas le pire. Parce que les moustiques, on s'en fout. Navigateur, la pression du compas, on arrive toujours à deviner un peu où se trouve la pyramide, tu sais. Donc c'est pas vraiment gênant. Non, mais bon, du coup, on va prendre l'explorateur de l'Arctique. Ouais! C'est bon! C'est bon! Ouh! Mais Joseph! Joseph Joey Stark qui vit des aventures, quoi. Sherlock Holmes, bien sûr, avec sa perspicacité. Indiana Jones qui tente des choses. Et Astérix qui est à la ramasse de la bite. C'est bien, il est triste, Astérix. Alors, du coup, il nous faut de l'argent. Parce qu'on n'a plus une thune. Et on a une belle avance en termes de score. Donc, je propose de filer ça. De donner de l'argent. Ça, vraiment, c'est pas grand-chose, donc on va le donner en truc comme ça. Argent. Ces dents, j'ai envie de les garder parce que c'est quand même beaucoup de valeur, hein, si tu veux. Et ça vaut pas beaucoup de thunes, tu vois, regarde. Tac, 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 tac. Et ça, c'est 80 de valeur, hein, dans un village. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait vraiment la différence, hein.
Ça fait vraiment la différence, donc je pourrais les récupérer pour de la thune, mais là, comme j'ai réussi une mission avant, je devrais en gagner, si tout se passe comme prévu. Donc, on va garder les mains. Jeu de main, jeu de vilain. Voilà, jeu de main, Jean Gabin. Sur ce, je vous remercie, ça veut rien dire, je vous remercie, brave gens, d'avoir regardé cet épisode de Curious Expedition avec les noms. Sur ce, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Allez, zou. Oh, miséricorde.